Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de création sur les Sims 4. Aujourd'hui je vais vous présenter la création de Thibaut InShape et JujuFit4. Donc comme d'habitude, il y aura tous les liens en description, les liens de leur chaîne YouTube, leur Instagram, les liens pour télécharger les CC correspondants, pour télécharger les Sims sur le jeu. Il y aura également les liens en description des précédentes personnes que j'ai réalisées. Mais bref, ça on s'en fiche, on va passer au cœur du sujet. Pourquoi j'ai réalisé Thibaut InShape? Comme d'habitude, quand je tiens à réaliser quelqu'un, c'est parce que c'est souvent quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Thibaut InShape, ça fait des années, je le suis depuis que... Je dirais pas depuis ses débuts, mais encore à l'époque où il faisait pas mal de vidéos de musculation. Maintenant, c'est vrai qu'il a évolué, qu'il fait d'autres vidéos, comme quand il présente différents corps de métier. Donc, je trouve ça très sympa parce qu'il a bien évolué. Et JujuFit4, je l'ai rencontré tout simplement à l'époque où elle-même a rencontré Thibaut InShape pour l'élection de Miss InShape. Voilà. Alors, pour Thibaut, comme d'habitude, on est sur les Sims, j'essaye de faire le plus ressemblant possible. Après, c'est quand même un jeu, c'est limité. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Bien entendu, pardon, je l'ai mis en tenue de sport. Ça paraît assez évident. J'ai eu un petit peu de mal au début à cerner son regard. Surtout que ce qui était très compliqué avec Thibaut, c'est que toutes les photos que j'ai trouvées de lui sur Instagram, etc., sur les réseaux, il a toujours un sourire avec les dents. C'est-à-dire que son visage est toujours étiré parce que forcément quand on sourit on a les yeux plus plissés, la mâchoire étirée, donc j'ai eu un petit peu du mal à capter ses traits au départ. Après ça s'est arrangé, mais c'est vrai que sur le coup je tenais énormément à le faire et j'étais un peu déçue de pas forcément réussir. Au final je suis contente du résultat, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que j'ai plutôt cerné. Voilà, comme vous le voyez maintenant, je lui ai mis des beaux muscles, après tout c'est Thibaut InShape, donc ça paraît assez logique. Mais en tout cas j'espère que cette création de Thibaut vous plaira, j'espère que Thibaut ça te plaira aussi, hein, c'est important. Voilà, tu auras ton Sims à toi. Donc voilà pour Thibaut InShape, on va passer maintenant à JujuFit4. Alors JujuFit4, ce qui était particulier, c'est que soit elle a vraiment ses cheveux au naturel, bien bouclés, elle l'amasse, soit elle les lisse. Au départ, là je le montre pas, mais j'avais essayé un petit peu une version lisse et au final je suis revenue sur la base parce que je trouve que ça lui correspond beaucoup plus. Je la trouve 1000 fois plus belle au naturel. De toute manière, vous allez le voir au niveau du maquillage, mais je ne l'ai pas énormément maquillée parce que comme elle le dit si bien, elle ne se maquille pas beaucoup, elle n'aime pas ça, elle n'est pas douée pour ça. Donc voilà, j'ai voulu la faire la plus naturelle possible, j'ai juste mis un petit peu de mascara au niveau des yeux, mais sur le reste, j'ai vraiment rien voulu mettre, parce que l'intérêt, c'est que ça ressemble au maximum, pas que physiquement, mais aussi au point de vue vestimentaire. Bon, bien entendu, je l'ai mis en tenue de sport, mais voilà, je sais que c'est une fille qui aime bien être naturelle, qui reste simple, donc ça me semblait assez évident, et voilà, les cheveux comme ça, bien ondulés, je trouve que ça lui correspond beaucoup plus, et de toute manière, on a beaucoup plus l'habitude de l'avoir comme ça qu'avec les cheveux lisses. Donc, par contre, j'ai eu un petit peu du mal avec Juju pour la mâchoire, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas du tout le même style de mâchoire que Thibaut, et je voulais pas non plus que ça soit trop exagéré, parce que on peut, sur les Sims, vu que c'est quand même des retouches assez légères, mais dans le sens où on peut pas rentrer à fond dans le détail, j'avais peur que sa mâchoire soit trop prononcée. Donc, j'espère que ça te conviendra, Juju, j'espère que ça vous conviendra, vous, ses abonnés. Mais voilà, moi je trouve que j'ai pas trop exagéré au niveau de sa mâchoire. Je la trouve très jolie. Hein. Juju est très jolie et je trouve que sa Sims est très jolie. J'ai un petit peu galéré aussi au point de vue de ses sourcils, parce que les sourcils c'est une des choses les plus difficiles à trouver, parce qu'on a tous un style de sourcils particulier. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Moi je suis quand même contente du résultat, que ce soit pour Thibaut ou pour Juju, surtout que c'est deux personnes que j'apprécie énormément. Juju, elle a toujours le sourire, toujours la joie de vivre, elle est toute fofolle, j'adore sa manière d'être, donc ça me tenait vraiment à cœur de la réaliser également. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine!